Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment gagner de l'argent avec un podcast. Alors, le podcast, c'est pas quelque chose de très développé, dont on parle beaucoup, mais honnêtement, c'est un business qui a vraiment de l'avenir parce que on va le voir avec les chiffres que je vais présenter juste après. Il y a un réel potentiel. Les podcasts en quelques chiffres, là, faut savoir que c'est des chiffres américain, bien évidemment, j'avais pas de chiffres français. C'est beaucoup développé aux États-Unis, puisqu'il y a 44% des Américains qui écoutent des podcasts. Donc c'est quasiment une personne sur deux qui écoute des podcasts. En 2015, le budget publicité alloué aux podcasts, il était de 69 millions de dollars. En 2017, c'était 220 millions de dollars. Et en 2021, ça devrait dépasser le milliard de dollars. C'est vraiment dire l'importance que commence à prendre le podcast. Et ces chiffres-là, ils ont été donnés par Les Échos. Là également, je te montre les chiffres liés au budget publicitaire, mais tu as plusieurs façons de monétiser un podcast et on va le voir dans la suite de la vidéo. Les avantages du podcast, c'est que c'est un format immersif. C'est plus immersif que la vidéo parce que quand tu es sur YouTube et que tu as des suggestions partout sur YouTube, t'es pas très concentré. Également, quand c'est une vidéo, il faut l'écouter, il faut avoir internet, etc., etc. C'est compliqué. Pareil pour un article de blog. Quand on a tendance à scroller l'article de blog et qu'on voit qu'il est trop long, on finit vraiment par repartir. Un podcast, via des applications de podcast, tu peux l'écouter partout. Tu peux l'écouter en train de faire du sport, dans ta voiture, dans le train, vraiment, vraiment en train de faire la vaisselle, vraiment partout. À la différence d'une vidéo, il faut être concentré sur ce que va te dire la personne. Là, c'est vraiment uniquement de la voix, donc c'est très, très, très immersif. Également, il y a moins de personnes, bien évidemment, qui écoutent des podcasts que de gens qui sont sur YouTube, mais ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment une audience plus qualifiée. Plus qualifiée parce que des podcasts, c'est vraiment des formats assez longs et les personnes vraiment suivent très longtemps les podcasts. Également, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a moins de concurrence. En France, il existe quelques podcasts qui sont lancés, mais ce n'est pas vraiment encore quelque chose qui est très très développé. Il n'y a pas encore de podcasteur star en France, contrairement aux États-Unis. Et pour le coup, comme je disais, la fidélisation est plus importante parce qu'il y a ce côté immersif qui permet de suivre plus longtemps le podcast et donc ça permet également de fidéliser ses clients. Donc même si tu as déjà un business à côté et que tu veux utiliser le podcast, c'est un bon moyen de fidéliser tes clients, de fidéliser ton audience, parce que c'est des gens en fait qui vont apprendre à te connaître. Sur une heure, forcément, la personne va plus te connaître que sur une vidéo YouTube où tu as préparé ton truc. Alors que sur un podcast, notamment sur tout ce qui est interview, pendant une heure, tu vas montrer réellement ta personnalité. Ça va permettre vraiment de fidéliser ton audience. Donc dans cette vidéo, on va voir quel outil utiliser pour se lancer. Également, en deux, on va voir comment diffuser ton podcast parce qu'il ne suffit pas de vouloir lancer un podcast, il faut aussi le diffuser sur les différentes plateformes. Donc, je vais te montrer un outil qui va te permettre de diffuser en un clic sur plusieurs plateformes. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir cet outil-là. Également, en trois, on va voir comment tu vas te faire connaître parce qu'encore une fois, si tu as un podcast et personne ne le connaît, ça, il n'y a pas de grande utilité. Mais là, du coup, je vais te proposer plusieurs stratégies pour pouvoir faire connaître ton podcast. Et en quatre, on va voir comment tu vas pouvoir gagner de l'argent avec un podcast. Et donc à la fin de la vidéo, je vais te présenter 6 façons de monétiser un podcast. Avant de commencer, si tu souhaites gagner de l'argent en ligne, abonne-toi à ma chaîne, clique sur le bouton s'abonner, clique sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je publie 3 vidéos par semaine où j'explique comment gagner de l'argent en ligne. Également, si tu veux créer un business en ligne, si tu veux passer de 0 à 3 000 euros par mois avec un blog en un an, comme moi je l'ai pu faire, parce que moi je vis pleinement de mes blogs. Je t'offre une conférence en ligne totalement gratuite où je t'explique pendant 45 minutes comment passer de 0 à 3 000 euros par mois avec un blog. Donc si tu es intéressé, tu as ce petit lien-là dans la description. Tu rentres ton prénom et ton adresse email et par la suite, tu reçois directement ta conférence en ligne. Alors forcément, quand on veut se lancer dans un podcast, on se demande quel outil utiliser. Et c'est très très simple. Il y a un site qui s'appelle Anchor.fm qui te permet de t'enregistrer directement. Donc tu peux t'enregistrer directement avec Anchor.fm. Également, ce que tu peux faire, c'est avoir un micro. J'ai ce petit micro-là, donc c'est un petit micro Boya que j'ai acheté sur Amazon qui me coûte une vingtaine ou trentaine d'euros. Donc je te mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse. Et également, pour faire le montage, parce que quand tu vas faire un podcast, tu vas
potentiellement rater des choses, tu vas vouloir monter des choses, ou surtout tu vas vouloir rajouter des bruitages sonores pour animer, habiller en fait ton podcast, et bien Anchor.fm te permet de faire vraiment tout ça. Donc c'est vraiment super bien parce qu'avec Anchor.fm tu peux enregistrer et faire ton montage, et on va voir que tu peux faire bien plus de choses par la suite dans cette vidéo. Comment tu vas le diffuser? Bah, encore une fois, les principaux sites de podcast, c'est tout simplement SoundCloud, c'est iTunes Podcast et c'est Spotify. Également, il y a Deezer, mais là, je l'ai mis en plus petit pour te montrer que c'est moins développé sur Deezer et sur Google Podcast. Mais les trois plus gros, c'est vraiment SoundCloud, iTunes Podcast et Spotify. Là, encore une fois, tu vas pouvoir le diffuser en un clic. Et bah, tu vas tout simplement utiliser Anchor.fm, qui va te permettre, une fois que tu auras enregistré ton podcast, une fois qu'il a été monté, tu vas en un clic pouvoir diffuser sur les différentes plateformes de podcasting. Tu as également Blueberry. Blueberry, c'est un outil payant où il y a un peu plus de fonctionnalités, mais qui est payant. Donc là, pour l'instant, je t'ai mis vraiment Anchor.fm parce que Anchor.fm, il est gratuit. Donc ça, c'est l'outil qui est présent. Je vais juste réduire ma petite tête pour que tu puisses voir un peu mieux. Et donc c'est 100% gratuit, tu peux l'utiliser soit sur l'ordinateur, soit via une application. Là, c'est tout ce qui est diffusion. Donc là, tu reconnais les logos iTunes, Spotify. Donc ça te permet en un clic de diffuser sur plusieurs plateformes. Donc ça, c'est toujours intéressant bah, pour te faire un peu plus connaître. Et en plus de ça, ils gèrent la monétisation. Donc on va le voir par la suite comment tu vas pouvoir gagner de l'argent, mais ils peuvent gérer la monétisation donc via des sponsors, ou également dans des collectes de dons d'auditeurs. Donc tout ça, c'est géré par Anchor. Donc tu vois que cet outil-là, Anchor.fm, te permet de gérer tout de A à Z, ton podcast. Alors là, tu vas sans doute me dire, ouais, mais comment ça se fait que c'est gratuit? Il y a forcément des frais cachés, etc., etc. En fait, non, ça fonctionne sur le modèle de YouTube. C'est-à-dire que tu n'as pas de frais de stockage de tes vidéos, etc., etc. Mais par contre, une fois que tu vas générer des revenus avec tes podcasts, ils vont prendre un pourcentage des revenus et toi, tu en auras un autre pourcent. Donc, c'est vraiment super intéressant de travailler avec Anchor.fm parce que ça te permet de te lancer gratuitement, sans aucun frais, d'avoir tout un écosystème pour créer ton podcast, de pouvoir le diffuser rapidement sans dépenser un euro. En trois, comment faire connaître son podcast? Et bien, tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser du trafic externe. Imaginons que tu aies déjà une chaîne YouTube, un compte Instagram, une mailing list, un blog. Et bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partager sur ces plateformes ton podcast, où tu vas utiliser vraiment des points clés de la vidéo, un peu buzz, un peu qui cartonne, que tu vas mettre sur YouTube, que tu vas mettre sur IGTV. Parce que si tu mets sur YouTube un long format d'une heure, ça marche pas très bien. Bon, des fois, il y a des contre-exemples, des formats d'une heure qui fonctionnent, mais sur YouTube, les gens veulent des trucs un peu punchy. Donc, ce que tu peux faire, c'est vraiment faire du teasing sur YouTube en prenant des éléments très intéressants de ton podcast qui buzz un peu et les mettre sur YouTube. Pareil sur IGTV. Sur ta mailing list, bah, tout simplement, tu envoies un mail pour dire que tu as un podcast et à chaque nouvel épisode de ton podcast, c'est vraiment d'envoyer un mail pour prévenir ton audience. Et sur ton blog, bah, tu vas faire de l'intégration, c'est-à-dire tu vas afficher par exemple sur les sidebars ton podcast, tu vas l'afficher dans ton article, tu vas en parler régulièrement, etc., etc. Également, chose très importante qui va faire que ça va marcher, c'est vraiment de demander à ton audience de partager. C'est vraiment ça qui va permettre d'enclencher le bouche à oreille. Parce que sur un podcast, t'as pas de la viralité comme YouTube ou comme Instagram ou autre. C'est assez confidentiel maintenant. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est à chaque fois, que ce soit au début, au milieu, à la fin de ton podcast, inciter les gens bah, à partager ce podcast s'ils ont aimé le podcast, voilà, à le partager à leurs amis, à en parler, etc., etc. Et c'est ce qui va permettre d'enclencher le bouche à oreille. Et sur un podcast, le bouche à oreille, c'est vraiment très, très fort parce qu'une personne qui va aimer ton podcast, elle va en parler à trois personnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça va enclencher. Et vraiment, le troisième point qui est le plus fort et qui va vraiment te permettre de faire buzzer ton podcast, c'est de recevoir des influenceurs dans ta niche. Donc, je ne sais pas, tu es dans la niche jardin, par exemple, et bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les plus gros influenceurs, que ce soit sur Instagram, que ce soit des journalistes TV, etc., etc., et tu vas les demander à les interviewer. Et ce que tu vas faire par la suite, c'est que tu vas demander à ces influenceurs-là de partager à leur audience. Et ce qui va faire que tu vas prendre une partie de leur trafic,
vers ton podcast. Et c'est vraiment le meilleur point qui va te permettre d'exploser ton podcast. Également, pour diffuser sur YouTube, il y a cette petite animation-là que tu vois juste ici, là, où tu vois, en fait, quand la personne part, il y a une espèce d'animation vidéo. Ça permet d'animer, si tu veux diffuser sur YouTube, ça permet vraiment d'animer un peu plus la vidéo et que d'un podcast, t'en fasses une vidéo, que ça soit plus dynamique. Donc, je vais te montrer tout de suite comment tu vas pouvoir faire cette animation vidéo. Donc, tu as ce site qui s'appelle headliner.app. Encore une fois, tu auras le lien dans la description qui va tout simplement, en fait, tu vas télécharger ta vidéo et il va te le faire. Tu vois qu'il y a différents modèles d'affichage et c'est lui qui va automatiquement animer ton podcast et ça va devenir une vidéo. Donc, encore une fois, c'est totalement gratuit. À partir d'un certain nombre de vidéos que tu vas faire, ça sera payant, mais je crois que c'est jusqu'à 10 vidéos, il me semble. On va regarder ça de suite. Voilà, jusqu'à 10 vidéos par mois. Donc, ça te fait 10 podcasts. T'es large, franchement, pour pouvoir utiliser cet outil-là. Donc, c'est 0$ jusqu'à 10. Et après, plus, c'est 12$. Donc, c'est vraiment pas très, très cher, même si tu fais plus de 10 podcasts par mois, ce que je ne pense pas, parce que généralement, un podcast, c'est assez long. C'est plutôt un podcast par semaine, voire un podcast par mois. Et donc, en 4, comment tu vas gagner de l'argent avec un podcast? Tout simplement avec le sponsoring. Donc, c'est des marques. Ça demande vraiment, attention, quand je te parle de ça, ça demande vraiment d'avoir une certaine audience. Et en gros, tu vas faire des sponsorings avec des marques qui seront intéressées par ton contenu, en relation avec ton contenu, qui vont faire du sponsoring. En 2, tu as les dons. Donc, c'est les auditeurs qui vont te donner des dons. Ça, ce n'est pas le meilleur moyen de monétiser. Également, tu as la publicité que tu vas gérer toi-même, c'est-à-dire entrecoupée pendant ton podcast, tu vas diffuser de la publicité qui te sera fournie par une entreprise également. En 4, tu as tout ce qui touche à l'affiliation, c'est-à-dire que tu vas parler d'un produit ou d'un service et tu vas rediriger les gens vers ce produit ou service via ton lien personnalisé. Également, tu peux tout simplement vendre tes produits. Ça peut être des produits dérivés avec du print on demand, ça peut être des produits, des infoproduits, etc. etc. Tu as vraiment plein de choix de vente de produits liés à ton activité. Et en 6, ça c'est très 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 puissant, c'est faire des podcasts payants. Alors tu vas me dire comment les podcasts peuvent être payants, c'est qu'au départ tu vas avoir par exemple un podcast gratuit qui va te servir de promotion pour ton podcast payant. Et en gros, à chaque fois qu'on appelle à l'action dans ton podcast, ça sera de « si vous voulez en savoir plus sur tel ou tel sujet, je vous invite à vous rendre sur le podcast payant. » Et là, le podcast payant, tu vas pouvoir proposer un abonnement. Et là, ça va être très, très intéressant parce que ça sera un revenu récurrent. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu me mets un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions sur le podcasting, n'hésite pas. Tu as les commentaires qui sont là pour ça. Si tu as des sujets de vidéo que tu voudrais que je développe dans une prochaine vidéo ou autre, n'hésite pas. Tu mets dans les commentaires. Parce que comme je t'ai dit, cette vidéo-là, elle m'a été soufflée par un lecteur qui m'a demandé pourquoi je ne parlerai pas du podcast. Et franchement, j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup, j'ai été amené à faire plein de recherches sur le podcast et à me dire que c'est très intéressant et je pense même me lancer. Je t'en dirai un peu plus dans mes prochaines vidéos, mais je pense que je lancerai un podcast d'ici quelques temps. Également, je te le dis toujours, mais il faut le faire. Hein. J'espère que tu le fais. Hein. Tu l'as déjà fait ou pas? J'aimerais que tu t'abonnes à la chaîne. Tu cliques sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. En cliquant sur la cloche, tu reçois une notification et comme ça, tu rates rien et tu es le premier à voir les différentes façons que je présente de gagner de l'argent en ligne. Et avant de partir, comme je dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.